personne qui est ici présente est un cadeau. Bom dia, obrigado por estar aqui presente conosco na Casa dos Escritores. É muito especial para mim poder estar aqui. Good night, good evening. Thank you so much, Professor Connett, to be with us tonight. I have the privilege to be translated by Professor Connett, and it's an honor to be able to read the text with you and to have the possibility to exchange in many languages the Fausta. And so I wish you a very good evening. Thank you. Alors, oui, en effet, merci d'être venu, merci de votre présence. C'est très informel. Ce qu'on veut, c'est favoriser un débat d'idées lors de cette lecture, discussion. On va emprunter le premier principe des ateliers, des rencontres dialogiques que je présente depuis 32 ans, bientôt 33 ans. Et qu'est-ce que c'est ce principe opérateur? Eh bien, c'est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Donc, on va vous inviter à poser des questions au fur et à mesure qu'on fait notre pèlerinage à travers le recueil de la poésie de Marti Herriot, Fausta. Oui, une petite précision. Donc, nous avons fait un choix de 5 poèmes et on va lire ce soir ce qu'on a appelé l'acte 1, c'est-à-dire quelques poèmes qui sont pour nous significatifs de l'œuvre. Et on a rendez-vous à la librairie Le Port de Tête pour un acte 2, pour lire la suite des poèmes, parce qu'on s'est dit, bon, on ne veut pas que ce soit aussi trop chargé en termes de lecture et qu'on puisse avoir la possibilité d'échanger, de dialoguer. Donc, on va s'interrompre après chaque poème pour avoir l'opportunité de... Finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est la rencontre avec vous, d'échanger et de faire une vraie intertextualité entre vous et moi et le professeur Cornett. Donc on va démarrer le premier, peut-être? Oui, donc c'est une mise en scène de la poésie de Marti Herriot. C'est théâtral, certes, sans pour autant être dramatique. La dernière larme, éclose d'une larme, la dernière, une femme Fausta descend aux enfers à main nue, épouse le déchu et répudié, poursuit le labeur, prononce le nom du pays retrouvé. Argumente avec sanglots et dévotion, paroles qui n'y font rien. L'ange des ténèbres a perdu le jugement et combat le ciel à main nue. Il hurle à Fausta. Qu'importe la perte du champ de bataille. Tout n'est pas perdu. Une volonté insurmontable. L'étude de la vengeance. Une haine immortelle. Un courage qui ne cédera, qui ne se soumettra jamais. Qu'est-ce qu'autre chose que de n'être pas subjugué. Cette gloire, jamais sa colère, sa puissance ne me l'extorquera. De cette femme Fausta, dernière née de la pluie, il faut tirer la leçon. Les larmes n'émeuvent que ceux qui les pleurent, et le démon ne sait point la tendresse. Fausta ne sauve pas les êtres d'eux-mêmes. Elle habite l'enfer avec eux. Elle partage la table des damnés, se perd, s'isole, brûle même. Les cendres de ses rêves se dispersent au vent mauvais, soufflées par les démons inquiets. Si donc sa providence cherche à tirer le bien de notre mal, nous devons travailler à pervertir cette fin et à trouver encore dans le bien
du mal. Une autre larme éclot, l'histoire se répète. Ce n'est plus Fausta, ce n'est plus Satan. C'est vous et c'est moi qui traversons la nuit. Vous qui maudissez le jour, moi qui m'éveille en sueur la nuit hantée par les cauchemars, je ne pleure pas comme elle. Vous n'avez pas son orgueil. De lourdes portes s'ouvrent, grincent, et dans la forge, un matin muet se lève. Lorsque le mât et le gréement du vaisseau intellectuel sont emportés par la tempête, ah, c'est alors que l'âme est dans une véritable détresse. Alors, elle a perdu le sentiment de son existence, de sa dignité et de sa force. Donc, il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Qu'aimeriez-vous poser comme question suite à ce texte qui est de Martirio? Qui sera le premier à briser la glace? En fait, je voulais savoir quelle est la démarche que l'écrivaine entreprend pour orchestrer si beau poème. En fait, il y a une intertextualité, Yvan. C'est-à-dire que je dialogue avec des textes qui sont des grands textes comme celui de Milton, Le Paradis perdu. Et où il peint le démon, c'est un des premiers textes des enfers. Il y a d'autres textes des enfers de Faustin. Donc je pense que ça donne une richesse au texte, cette intertextualité. Donc c'est inspiré de cela. Ben, c'est plus qu'inspiré. Je pense qu'il y a les voix qu'on écrit, il y a les voix qu'on lit, il y a les voix qu'on entend et il y a les voix qu'on parle. Donc tout ça, c'est de la matière. Et souvent, on réduit à l'écrit, hein. Mais il y a tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit qui nous habite aussi. C'est... Oui. Et ma question était d'après moi plus technique. Est-ce oui. Est-ce que tu écris comme ça, puis après ça, tu organises ça un peu dans tes poèmes? Sans trop savoir où est-ce que tu t'en vas ou... Où est-ce que j'ai un plan? Oui. Pas en poésie. En poésie, j'ai pas de plan. Je dirais qu'en philosophie, j'ai des plans très carrés. Petit 1, petit 2, c'est des démonstrations. Okay. Donc en philosophie, je suis très organisée. En poésie, je suis très émotionnelle. Et c'est Faustin. Par contre, il y a une organisation dans tous mes écrits qui s'appelle le palimpseste. C'est-à-dire que j'écris, puis je réécris, puis je réécris, puis je réécris. C'est ma méthodologie. C'est-à-dire que c'est comme une tapisserie. Je vais dessus, puis je défais, puis je retourne dessus. Puis je défais, comme Pénélope. Donc tu modifies un peu. Oui. Tu vois les tapisseries de Pénélope la nuit quand elle attend Ulysse, et puis elle est prétendant. Hein. Donc elle fait sa tapisserie, puis le soir elle défait tout, puis le matin, il n'y a plus rien, il faut qu'elle recommence. Elle modifie. Et parce qu'on, je veux dire, si elle finit la tapisserie, elle est obligée d'épouser quelqu'un, et pas d'attendre Ulysse. Donc Pénélope défait sa tapisserie toute la nuit et elle la refait pendant le jour. Et je dirais que ça, c'est une méthode de travail. C'est-à-dire qu'on construit, on regarde, puis on dit, bon, c'est pas terrible, ça je veux pas, ça je coupe, ça je jette, puis je réécris dessus. Et donc à ce moment-là, c'est le sentiment qui décide Là, c'est le rationnel aussi. Ok, donc. Donc, tu mélanges les sentiments avec le rationnel. C'est vraiment le palimpseste, c'est une technique de travail aussi en toile. Et j'en ai amené une ici, le palimpseste, là, c'est celle toute coloriée. C'est-à-dire que j'applique plusieurs couches et je travaille comme
première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, oui, celle qui est en couleur, qui n'est pas un sketch. C'est, en fait, c'est les vieux manuscrits qui étaient rédigés comme ça. Et ma thèse était un palimpseste, c'est-à-dire que la classe libre, là, qui est un texte que je viens de finir au bout de 30 ans, il a 150 pages. J'ai mis 30 ans à écrire 150 pages. En fait, j'ai peut-être écrit 2000 pages, mais je suis arrivée à 150 pages. De rayer, réécrire, rayer, reprendre, mon métier toujours, peut-être que j'attends Ulysse. Peut-être. Oui. Et mais vois-tu la méthodologie de Pénélope, je l'aime beaucoup parce que il y a la déconstruction. C'est-à-dire que c'est pas simplement, et c'est comme la vie, hein. On construit, on déconstruit, on reconstruit, on déconstruit, on n'est jamais dans un épanouissement. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur ? Mais d'abord, je trouve ça formidable, vos questions. En fait, la raison d'être de cette soirée se résume dans ce que disait Voltaire. De la discussion jaillit de la lumière. Donc là, effectivement, elle déploie tous les enjeux de sa création poétique. Aussi, quand on parle de Milton, et le paradis perdu. Mais Milton a écrit également Samson Agonistes, Samson, l'histoire biblique, parce que Samson, l'homme fort, qui est devenu, qu'on a aveuglé à la fin de sa vie, et c'était le cas de John Milton. À la fin de sa vie, il était complètement aveugle. Donc, il avait quelqu'un qui a tout écrit, ce qu'il dictait, et il a justement composé, quoiqu'aveugle, Samson Agonistes. Or, Samson Agonistes, c'est ce qu'on appelle un closet drama. Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est la poésie mise en scène, mais jamais comme une pièce de théâtre. Exactement comme on fait maintenant, ce soir. Donc, ce que Marty Herriot écrit comme poème, ça sort du vécu. Mais en même temps, ça a été écrit, biffé, réécrit, cité, intertextualisé. Il y a une coulisse. Yvan a raison, il y a une coulisse. On n'a pas le produit comme ça. Voilà, c'est pour ça. Il y a tout un... Une démarche. Du palimpseste, la démarche du palimpseste. Parce qu'elle n'est pas uniquement tirée du sentiment, parce que non. Vous saviez rajouter du texte, du rationnel. Oui, du rationnel. Ça, vous étiez inspiré au-delà d'eux par quiconque. Oui, oui. C'est très beau. Ah, merci, merci. Bon, vraiment, c'est je pense. Oui, merci. Oui, monsieur Pachi. Je vous ai entendu à propos de la manière que vous avez procédé en allant chez M. Milton et autres. Oui. Et puis moi, ce que j'ai compris dans votre démarche, oui, c'est que vous êtes allé dans le jardin de M. Milton, vous avez pris certains plants oui, dans son jardin, vous êtes allé dans d'autres jardins, vous avez tout placé dans votre propre jardin, oui, puis vous avez nourri votre jardin, vous avez enlevé les mauvaises herbes, vous avez modifié certaines choses, puis finalement vous êtes rendu avec votre œuvre finale, votre oui, jardin actuel. Alors, j'ai une histoire pour les mauvaises herbes. J'avais un balcon, puis il n'y avait pas de plantes à Saint-Paul. Et j'avais rien à planter, j'étais professeure, je travaillais 3 périodes, le matin, l'après-midi, le soir. Comme beaucoup de professeurs au Brésil, on est obligé de travailler dans plusieurs écoles pour finir le mois. Donc j'avais pas vraiment le temps de cultiver. Et il y avait juste un plant de terre, on est au Brésil, terre tropicale, il y a plein d'herbes qui sont venues pousser dans le balcon.
que des mauvaises herbes. Mais c'était tellement beau. Et je me suis dit, je ne vais pas arracher les herbes, parce que ça me tient compagnie. C'était vert, il pleuvait, ça poussait. Donc j'ai dit, bon. Puis j'avais un philosophe qui cultivait son jardin, puis je suis allée le visiter, il a arraché les mauvaises herbes. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, j'arrache les mauvaises herbes. Et j'ai dit, ah, elles sont mauvaises? Oui, 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 parce qu'elles empêchent les autres de grandir. Et... Donc, aujourd'hui, je me pose vraiment une question sur les mauvaises herbes. Je dirais oui, hein, si on veut un jardin. Oui, j'ai appris à arracher des mauvaises herbes. Ah oui, mais c'est ça que vous avez fait avec votre œuvre. Vous l'avez modifié, vous avez enlevé les mauvaises herbes selon vous, à ce moment-là. Oui, et, mais ça a été... C'est comme complexe pour moi, la notion de mauvaises herbes. J'adore les mauvaises herbes. Voilà, c'est ça. C'est comme complexe, parce que peut-être, ce n'est pas les mauvaises herbes que j'ai arrachées, peut-être ce que je trouvais mauvais. Juste, je finis, mais Marcel Duchamp dit que le coefficient d'art d'une œuvre, c'est ce qui est. Il y a ce que l'auteur a prévu, puis il y a ce qu'on fait, et il y a ce que le spectateur reçoit de non intentionnel qu'on n'avait pas prévu dans ce qu'on fait. C'est vivant. Et ce coefficient d'art, c'est le inintentionnel dans l'art. Et. Il dit, c'est justement ce que tu n'avais pas prévu. Tu as tout prévu, tu as fait ton texte, tu as coupé, tu as mis, tu as organisé. Et l'art, c'est ce qu'ils vont voir que tu n'as pas vu. Et que tu n'as pas entendu de ton travail. Et c'est ça qu'ils vont te rendre. Et c'est Marcel Duchamp hein, qui a donné cette définition. Le coefficient d'art, c'est l'inintentionnel. Ce serait justement ma mauvaise herbe qui a traîné là, que je n'ai pas vue, et qui finalement... Je ne sais pas, je n'ai pas donné la définition de mauvaise herbe. C'est la plante qui devait partir. La plante qui devait partir, qui est restée malgré tout. Possiblement, je n'ai pas vu. Voilà. Mais c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais que... sans partir, transformer en bonté. Absolument, parce qu'il y a la tâche qui devient soleil en art. Donc, on se nourrit de qu'est-ce qu'on peut transformer une bonne action, une mauvaise action en une bonne action. Oui. Est-ce que dans la nature, on peut transformer une mauvaise herbe à quelque chose qui, du coup... est devenu un beau jardin. Et puis qui a donné... quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est un peu l'enjeu du texte, de la question du mal. Hein. C'est un peu l'enjeu du texte, c'est-à-dire le bien peut être un mal et le mal peut être un bien, c'est complexe. Je veux dire, quelqu'un d'extrêmement gentil et doux, etc., peut être très pervers. Quelqu'un d'assez violent peut être très franc et apporter quelque chose de très éthique et de très valable. Donc, on est toujours... l'éthique, c'est comme une aile de papillon, fragile comme une aile de papillon. La différence entre le bien et le mal, la définition est de Derrida, c'est que c'est une aile de papillon et que c'est chacun qui sait où est son bien, où est son mal. Mais ce que moi, je vais voir comme magnifique, peut-être quelqu'un d'autre dira là elle a commis une grave erreur et tout ça est en discussion dans Faust hein. Le diable est-il le diable? Oui, d'ailleurs toute la pensée binaire, cette idée que est-ce que la poésie vient de la dimension affective ou bien de la dimension rationnelle. Je crois qu'il s'agit là d'une fausse, ce que moi j'appelle une fausse dichotomie. On sait que sur le plan neurologique, l'affectif et la logique sont toujours en marche. On ne peut pas fermer la logique, on ne peut pas fermer l'affectif. Ça fait un tout, c'est un ensemble. Et donc de dichotomiser, et c'est ça qui est le vif de la question, dans ce recueil Fausta par Marthe Hieriot, c'est qu'elle nous lance un défi, elle brouille
ces catégories. Quand on veut caser le bien, oh, mais le bien, c'est ça. Ou ce qui est bon, c'est ça. Mais non, il y a une transition, il y a une médiation, il y a ce que D.W. Winnicott, qui était un des psychiatres les plus importants du XXe siècle, il y a un espace transitionnel. Et Fausta erre dans ce passage transitionnel qui fait fi des dichotomies de cette approche binaire pour arriver, je dirais presque dans un sens hegelien, il y a la thèse, antithèse et synthèse. Et les philosophes de formation, il y a dans ce recueil une synthèse. Oui, je voudrais juste compléter par exemple mon démon. Mon démon, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno a été poursuivi par l'Inquisition, a été torturé pendant 7 ans, et il a été brûlé. C'est Giordano Bruno. Bon. Mais aussi le mal irrationnel est là. Mais il y a aussi le mal qu'on voit les gens qui sont des gens super comme étant le mal. Parce qu'ils menacent l'ordre établi, parce qu'ils construisent autre chose, parce qu'ils proposent des nouvelles vérités qui dérangent, parce qu'ils amènent toute une série de connaissances auxquelles on n'est pas préparé. Donc ces gens-là sont vus comme le mal, comme une menace à l'ordre établi, comme était Giordano Bruno, parce qu'il disait « la Terre est ronde, tourne autour du soleil », il déconstruisait les représentations de l'époque, et il était une menace à l'ordre établi, qui était la physique aristotélicienne de Thomas d'Aquin, qui disait que la Terre était plate, quoi, et qui avait qu'un seul moteur qui bougeait le tout, et ce moteur immobile était Dieu. Donc c'était ça la thèse d'Aristote, hein, le moteur immobile, et il y a un moteur qui bouge tout et rien ne bouge. Il y a un moteur qui bouge tout et rien ne bouge. Alors il disait, c'est moi, ça bouge, et tout bouge. Et quand il disait ça, il déconstruisait complètement les représentations que les gens avaient du monde. Et c'était les diables. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a en nous une haine, une rancœur, une pulsion de mort, etc. Oui. Donc, je travaille toutes les catégories du mal. Autant le mal qu'on plaque sur quelqu'un, autant cette capacité qu'on a à un moment donné à faire le mal. Donc, c'est pas un diable, vous voyez, le diable avec les cornes, hein, qui est mauvais. Parce que Giordano Bruno, c'est un saint, quoi. Il a tenu 7 ans d'inquisition, il a affronté le bûcher et il n'a pas démordu de la vérité. Donc c'est un gars qui en avait. Mais en même temps, un saint entre guillemets, je veux dire, quelqu'un d'extraordinaire, qui représente la liberté. Mais en même temps, est-ce que j'exclus la question qu'on peut être mauvais? Non, on peut être mauvais. On peut aussi être mauvais. Je veux dire, l'homme a une ambivalence, une complexité. Équivoque. On est équivoque. On est complexe. On est complexe, on se travaille. On se travaille. C'est quoi l'enfer? Ah, vous dites l'enfer. Alors, pour moi, c'est la forge. J'ai appelé l'enfer la forge. La forge, c'est un endroit où on travaille, et on travaille, et on travaille. On n'a jamais fini de travailler. Mais en même temps, de ce travail, qui est presque un travail d'esclave, naît des choses extraordinaires, en fait. Naissent des choses extraordinaires. Hein, mais je pense que la forge, c'est vraiment... Je ne sais pas comment vous avez pris votre thèse de théologie, professeur. Mais c'est intéressant parce que je traduis en ce moment même le recueil. C'était une forge. Et étrangement, ironiquement, quand je pense à la
à la forge, je pense davantage au creuset. En anglais, on dit crucible. Il faut passer à travers. Et ça nous forme. Ça nous... On passe à travers et on n'en sort pas indemne. Non, non. On sort différemment. On sort différent, hein. Ouais, c'est, ouais. On est forgé en même temps qu'on forge. Hein. Exactement. C'est, Michel Serres a une très belle image. Il dit que dans la traversée, il y a la première rive, il y a la deuxième rive, celle où on arrive, et puis il y a la troisième rive qui est la traversée. C'est-à-dire qu'on est riche de la traversée, en fait. Hein. Et je me permets de répondre à la question de Mlle Bandulet. La forge équivaut l'enfer, équivaut le creuset, c'est-à-dire toutes ces expériences qui nous forment. Et je me permets aussi de souligner à quel point c'est un changement de paradigme ce qu'a fait Marty Herriot dans ce recueil. Parce que cette légende de Faust remonte au Moyen-Âge. Et c'est toujours Faust et non pas Fausta. C'est une femme dans le cas de Marty Herriot. C'est un changement de paradigme très, très important. En quelque sorte, il s'agit d'un manifeste féministe, pas la poésie. Non, je dirais... Non, je comprends. Maintenant, c'est très important, mais... ce que je voulais, c'est que la femme, traditionnellement, est vue comme le mal. C'est Ève, hein? Lilith. Donc nous, on est les diables. On n'est pas la femme qui va discuter avec le diable. Faust, c'est le gars qui discute avec le diable. Mais il n'est pas le diable. Et la femme, traditionnellement, est vue comme le diable. Elle est le mal incarné. Hein? D'ailleurs, j'ai entendu d'un ecclésiaste récemment, ben, le mal, c'est la femme. Donc, là, j'ai voulu décoller cette image que la femme est le mal pour donner une image contemporaine. La femme peut faire le mal, elle peut faire le bien. Elle est un sujet, elle n'est pas le mal irrationnel, la perfide Manon de Manon Lescaut, la dame au camélia, et enfin on pourrait en citer beaucoup, hein, des images de femmes dans la littérature qui emmènent les hommes à la perdition. Donc il y a Justine de Sade qui représente les malheurs de la vertu et les bonheurs du vice. Donc, c'est fort, hein, dans la littérature, le poids du mal pour la femme. Donc, je voulais dire, la femme, c'est pas le mal, c'est pas le bien, c'est une personne capable de faire du bien et du mal. Et la femme qui a droit de questionner, et surtout de questionner les origines du mal. Et alors qu'avant, bon, ben, nous, on était... celle qui a entraîné l'homme à l'éternel féminin, finalement, c'était, on était toute émotion et on faisait perdre la tête à l'homme. Hein, c'est comme, ah mais je sais pas ce qui m'a pris, je suis tombée amoureuse, c'est fini, là. Donc c'est la femme qui était responsable et puis qui m'a entraînée en enfer. Donc, excusez-moi, là, depuis tout à l'heure, on parle du mal et du bien, et puis je trouve ça pas mal compliqué et très politique. Oui. Personnellement, à un moment donné, là, j'ai été frappé par je sais pas quoi, wow, juste là, puis je me suis dit, ce serait pas plus simple de regarder le mal, tout ce qui nous amène vers tout, ce qui nous amène vers la mort, et le bien, tout ce qui fait la promotion de la vie, au lieu de... Freud, pulsion de mort, pulsion de vie. Et l'envie t'aime. Oui, moi je suis d'accord. Non, je suis d'accord, c'est-à-dire que ce qui tend vers la vie... C'est le bien. En général, il faut peut-être aller un petit peu plus en profondeur, oui.
le bien. Ben oui. Quand on parle que la femme c'est le mal, parce que le pauvre homme ne peut pas se contrôler. J'aime bien la définition de Paul Ricoeur, la vie bonne avec et pour les autres dans les institutions justes. Donc il dit, la vie bonne, c'est quand on est avec et pour les autres. Donc on n'est pas contre, on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, on est avec, on est pour. On fait partie tous de quelque chose qui est vivant. Oui. Et puis on fait pas la promotion de la mort à l'intérieur de l'organisme. Mais il dit les institutions sont justes, donc il donne une vision politique. Il dit la vie bonne avec et pour les autres dans les institutions justes. Excusez-moi, c'est la clinique. Donc Mais rappelons que Marty Herriot est philosophe de formation. Or, tout philosophe doit s'adresser à la question du mal. On pense à Leibniz, qui a créé ce mot théodicée. Comment expliquer le mal? Quelles sont les origines du mal? Donc, il y a également la philosophe qui, par la poésie, s'adresse à cette question. Mais en philo, on appelle ça des premiers principes. En théologie, on appelle ça des questions ultimes. Comment expliquer le mal? D'où vient le mal? Donc, mais je vois très bien, et je me permets de citer, en tant que spécialiste en sciences des religions, Augustin, qui disait, qu'est-ce que c'est le mal? L'absence du bien. Jacques, excusez-moi, je marquais le début, mais Marthe Thériault, c'est qui? C'est moi. Ben c'est votre nom de plume? C'est mon nom de plume. Oh, excusez-moi, là, ça me suit, j'entends le nom depuis tout à l'heure. Vous... Jacques, c'est moi, Jacques! Ah oui, et c'est des voiles! Ben, c'est lui. Parce que Maracana, il y en a marre, mais aussi mar, ça veut dire la mer en portugais. Ok. Oui. Vous savez, j'entends le nom depuis tout à l'heure, je dis, ben, c'est qui, Martin? C'est l'auteur. Bon, ben là, ça me suit. Super. Alors, vous connaître. Deuxième question, Jeanne. Pardon? Deuxième question. Ah non, c'était pas ça. Moi, j'ai une question. Oui. C'est la base. Tu as dit un mot tantôt, puis je ne l'ai jamais entendu. J'aimerais ça l'écrire. C'est celui que tu as pris en exemple là, pour ça. Je ne suis même plus capable de le dire. Le polypositif. Palimpseste. Ah, c'est ça. Palimpseste. Comment tu écris ça, s'il te plaît? Je pense qu'il y a un Y. P-A-L. Y, palimpseste, P-A-L-I-M-P-S-E-T-E, palimpseste. Je vais entendre ça, merci. On continue? Oui, Monique. Ce que je me posais, ben justement, vous avez abordé la question que je l'ai posée. Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Pour un, pour moi, ça peut être mal, alors que pour un autre, ce n'est pas. Comment on fait pour alors là, se pose la question très complexe en philo du bien commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien pour moi et pour toi? Et comment on s'organise autour d'une idée de bien commun? Parce que si moi je trouve que ça c'est bien, puis que lui il trouve que autre chose c'est mal, puis lui il trouve que ça c'est mal, puis lui il trouve que c'est plus ou moins et tout, on va se retrouver dans une babel et on ne va pas avoir un nord, une boussole qui est l'idée de bien commun. Donc cette idée de bien commun a donné l'idée d'universel, un bien universel. C'est-à-dire que tout le monde trouve que ça, ça va être bien et tout le monde trouve que ça, ça va être mal. L'universel, c'était l'homme blanc occidental, français, les droits de l'homme, la déclaration, etc. Et les autres. Alors, le bien à Athènes, c'était le citoyen, 50 ans, de 30 à 50 ans, qui n'était pas esclave, les femmes étaient exclues de cela, etc. Donc, de plus en plus, on cherche à inclure, on parle de multiculturalisme, on essaye de traverser les frontières, mais on a toujours cette idée de bien commun à l'horizon qui nous sert à avancer. Je dirais que ça nous sert à avancer. On n'y arrive pas vraiment, mais on se dit, on a ça à l'horizon. Qu'est-ce qui pourrait être mon bien, ton bien, son bien, le bien de tout le monde?
Et on a fait les lois. Mais il y a les avocats, il y a les avocats du diable, il y a les lois contournées. Donc, c'est vraiment une question qui se pose en philosophie. Et Lyotard a écrit l'inhumain. Il y a des déconstructivistes qui ne croient pas au bien commun, qui posent, qui disent ça n'existe pas. Il y a des philosophes qui se disent modernes. Ils disent non, non, le bien existe et il faut qu'il soit là pour que l'homme puisse se construire face à quelque chose. C'est une grosse discussion. Mais j'ai écrit dans les mutations et dans la classe libre des textes qui abordent cette question de façon plus approfondie, puis je pourrais vous orienter là-dedans. Parce que... si on abdique d'un bien commun, si on abdique de tout, si tout est relatif, si on peut tout, on va à la barbarie. Donc on a quand même besoin de garde-fous. Et j'ai toujours travaillé dans l'interdit de ce qui porte atteinte à notre intégrité physique et psychologique. Je disais en salle de classe, ok, on va parler de tout, mais c'est important qu'on ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et psychologique des personnes dans la salle. Êtes-vous d'accord? Et là, je laissais les gens discuter, je faisais un contrat pédagogique, et à ce moment-là, on pouvait commencer le cours. Parce que, en philo, on est censé pouvoir parler de tout. Hein. De tout. Et de questionner absolument tout. Donc, le sens de la vie, d'où on vient, où on va. Et Fausta, c'était pour moi vraiment la grande possibilité d'aborder la question du mal d'un point de vue aussi féminin, puisque j'ai fait des recherches sur l'intelligence, la beauté et le mal. Il y a comme une association, c'est pas pour le masculin ou le féminin, mais il y a comme une association dans nos cultures de l'intelligence, la beauté et le mal. La personne est belle et intelligente, aïe aïe. Non, demandez à tous ceux qui sont beaux et intelligents le parcours qu'ils ont vécu de difficultés. Parce que la séduction, parce que et la femme en particulier, c'est l'éternel féminin. Donc c'était pour sortir des stéréotypes et dire bon, on peut être intelligent, on peut être beau, on peut être séducteur, on peut avoir plein de qualités et pas forcément être une bête à abattre. Ça peut exister parce que je pense que le parcours des femmes dans l'académie a été très, très compliqué quand elles étaient jeunes, belles et intelligentes. C'était compliqué. It's complicated. Mais je pense que les jeunes hommes, beaux et intelligents aussi, Platon en raconte un bout là, les jeunes et faibles ont eu des parcours difficiles. Et ce qui m'intrigue en tant que chercheur, qui collabore avec Marty Herriot, c'est qu'il y a plusieurs façons. C'est pas seulement les philosophes n'ont pas nécessairement besoin de composer des sommes comme Thomas d'Aquin. Dans le cas de Marty Herriot, je vois une philosophe qui articule tout un système de pensée, non seulement par un essai comme La classe libre, mais en même temps, elle articule sa pensée philosophique par la poésie. Et pensons à Beethoven. Beethoven n'a pas fait de doctorat, mais je vous assure, il y a des milliers de doctorats sur Beethoven. Et pour cause, parce qu'il a su articuler tout un système de pensée par les sons, par la musique. Et c'est ce que fait Marty Herriot avec la poésie. Et je vous lance le défi,
de lire Aristote sur la poésie. Alors, j'ai juste vous. Ah, on va entrer dans un abattoir musical. à 100% connecté à iPhone. Ce petit morceau s'appelle Pavane pour une infante défunte. Ophélie, je ne sais pas si vous voyez l'image d'Ophélie. C'est, elle est morte, elle est dans le canal. Juste parce qu'on entre dans un abattoir musical. Alors je voulais vous faire écouter un peu de musique. Il s'agit de Maurice Ravel. Un abattoir musical. Étrange ballet, celui de la mort, qui vient frôler de ses ailes leur serment furieux. Il fraye avec elle, engagé corps à corps, un combat éperdu. Parfois elle gagne du terrain, parfois elle recule. Fausta lui dit en riant à demi. Nous sommes en croisière sous le Titanic. Et il prend l'eau. Le démon répond narquois. Nous sommes tous passagers du Titanic. Personne ne survivra à la traversée. Lucide, il ne la rassure pas. Plus loin, il introduit Fausta à la fin du chemin, à la lisière des bois absurdes et sombres, ces bois infernaux, où les spectres les guettent déjà, avides de danse macabre. C'est le matin, le soleil perce la brume, il fait violemment beau à Venise, un air de printemps. Combien de printemps nous reste-t-il ? Ses yeux, actifs, inquiets et vigilants, en disaient plus que des volumes entiers. En commandant le démon invective, j'aime l'idée que tu meurs debout. Les voilà donc debout, écoutant la musique, oublieux, souriant, devant l'abattoir. En tout climat, sous tout soleil, la mort t'admire. En tes contorsions, risible l'humanité. Et souvent, comme toi, se parfumant de myrrhe, même son ironie a ton insanité. Il n'y a qu'une mauvaise question. Celle qu'on ne pose pas. Qui aimerait poser une question sur ce texte de Marty Herriot. Nous sommes tous en croisière sur le Titanic, personne ne survivra à la traversée. Ça prouve que la vie est passagère. Oui. C'est un peu l'idée que j'avais, c'est de m'enfoncer à un moment donné dans mon parcours. J'écoutais de la musique, puis je me disais, on écoute de la musique, mais on s'en va droit vers l'iceberg. Et on écoute de la musique, on fait de la peinture et en même temps, on y va, quoi. Il y a un film qui joue une musique similaire à celle-là, je crois, c'est la 68e de Beethoven. Et c'est Charleston Heston et puis Green quelque chose. Mm-hmm. Et puis la musique, cette musique-là,
c'est en avant, on l'entend, et puis là, il y a un type qui est en train de mourir, puis on voit un fan dans l'arrière-scène. Muted Grey, le show de jungle, et puis c'était vraiment une musique extraordinaire, non, mais le type qui est en train de mourir. Soylent Green. Soylent Green, c'est ça. Science-fiction, réchauffement climatique prévu dans les années 70. Pas vrai, tiens. Je propose, professeur, comme on a beaucoup avancé oui. dans la discussion, etc., je propose qu'on aille à Parce que les nuages saignent aussi, notre dernier poème. D'accord, on va tout droit au dernier. Oui. Parce que le temps avance. D'accord. Entendu. Et donc, ce matin, le soleil éclabousse une eau verte et calme comme un canal se creuse un chemin miroitant le ciel de Venise. Une clairière de larmes, Fausta, simple flaque. Une issue. Miroiter, entrevue, la soulage. Une autre aurore saigne et se répète, bégayant sa douleur. Ardente, les plaies de sa fatigue brûlent ses tempes. Sa difficulté semble inouïe à épeler des mots ajourés et qui durent. Musicaux comme le souffle, bref comme l'éclair. Une berceuse pour le diable. Résidu. Léger de la vie. Un ange se soulève au visage de lion, aux traits vénitiens. Ils esquissent un sourire, un glissement secret, hébété de fatigue, fiévreux, il s'envole. La mer n'est pas toujours mugissante. Le ciel redevient serein. Et c'est en affrontant les dangers qu'on en triomphe le plus sûrement. On écoute Mahler pendant que... Qu'est-ce que vous en pensez, Mort à Venise? Oui. Ça vous parle, Mort à Venise, c'était un de mes thèmes de composition en fait. Donc, on vous invite à une dernière série de questions, puis on va boire un verre ensemble. Peut-être on peut fermer la musique pour l'enregistrement. En parlant de Mort à Venise, de Gustav Mahler, là encore, c'est cette approche qu'on favorise, moi j'appelle ça dialogique, puisque évidemment Mahler, le compositeur, mais il y avait également le grand écrivain allemand qui a composé Mort à Venise, Thomas Mann, qui a reçu le prix Nobel de la littérature. Donc, c'est micro ouvert, il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Le film Mort à Venise, c'est
inspiré de l'écrivain allemand dont vous parlez ? Oui, tout à fait. Okay, tout à fait. Au-delà de l'écrivain, de la philosophe, de l'artiste, d'où provient cette force-là qui nous permet donc cela ? Des amis. Mais bien, hein, que vous avez fait des études en philosophie ou, oui. ou au doctorat ou au post-doctorat, d'où provient-elle? La force vient des autres. Je pense qu'on est, on est fort des autres, des autres qui nous habitent. Des gens qu'on a connus, qui nous ont aimés et qui nous ont, qui ont cru en nous. Et qui sont vivants en nous. Ce sont des voix qui nous poussent à ne pas lâcher dans les moments où on pourrait lâcher. Et puis, il y a les amis qui sont là ce soir. Hein, je pense, j'ai quelques très bons amis qui sont là ce soir. Et la force, elle vient de cette interdépendance, je pense. Je suis très portée. Le professeur Cornette... est venu me chercher, disant « Allez, Jacques est là. Bon, » Richard a répété avec moi dans un couloir. Il est metteur en scène. « Viens Jacques, c'est le metteur en scène qu'on a vu. » Qui a tout installé en passant pour ce soir. Jacques à manger avec moi quelques fois en m'aidant et en voyant ma situation. Il est très proche. Et puis bon, je vais pas citer tout le monde là, je veux dire, mais c'est sûr que Marie-Jade m'a entraînée à des moments difficiles. C'est mon coach physique. Et donc, on reconnaît comme ça des personnes qui sont là dans notre quotidien. Je dirais qu'on est porté par les autres. On est fort des gens qui nous aiment. C'est ça qui fait notre force. Les gens qui nous ont aimés et les gens qui nous aiment. Et qui sont là pour nous. Et on est interdépendants. Hein. Et... on m'a dit « Ah, ça va pour ce soir ?» et tout. J'ai dit « Oh oui, ça va, je suis bien accompagnée. » Et donc, c'est la compagnie et le fait de se tenir compagnie dans les allées du labyrinthe, dans les abattoirs, qui fait sens pour moi dans la vie, vraiment. Et j'ai fait quelques esquisses pour la soirée de ce soir, de danse. Parce que la vie reste pour moi une danse, et elle reste musicale, elle reste belle, même dans ces moments extrêmement difficiles. Hein, il y a des moments difficiles, mais même là, comme vous dites, on est dans le creuset et on est travaillé. Hein. Donc, avant qu'on ferme, je voudrais beaucoup remercier le professeur Norman Cornette ici, au Brigade. Thank you. Parce qu'il est venu me chercher. J'étais vraiment dans mon coin. Il m'a dit, bon, je vais traduire Fausta et puis il faut qu'on en parle et il faut avancer. Oui, Monique. Oui. On parle des peintures et celles qui est plus prenante, qui est noire, c'est un peu ça aussi, on sent. Une grande doute, une difficulté, une douleur, presque de ça ressort la danse, comme si on trouve une solution, une façon d'avancer et de franchir les, oui, les épreuves. L'image la plus qui est la soirée, ce qu'on a voulu faire, c'est en fait. Voilà le diable, et voilà Fausta. Et Fausta est comme portée par le diable, et petit à petit, elle se met à vivre.
et petit à petit elle se met à parler. Mais l'idée de mon metteur en scène, c'était de vivre un peu cette hébétude de Faustac qui est perdue dans l'enfer, comme chacun de nous parfois est perdu dans la vie, dans une situation. Petit à petit on commence à regarder, puis on se dit, mais on n'est pas tout seul. Puis il y en a d'autres gens, puis ils ont traversé, puis ils ont réussi, puis ils sont toujours là. Alors on avance ensemble. Et peut-être c'est ça le sens de l'histoire, quoi. Mais avant ce tableau-là, moi je vois le tableau qui, okay, qui sont. C'est comme si c'était le début, ensuite ici, la personne qui tient, ouais, et de là. Celui-là. Oui, mais c'est celui-là que celui-là, il y a marqué libre. Mais voyez-vous, et c'est là où la technique qu'on a appliquée là qui s'appelle pas. Palimpsest. Oui, c'est ça. Palimpsest. C'est comme aller au fond de soi et tout aller dans notre fort intérieur et creuser jusqu'à ce qu'il y en ressorte la lumière et oui, ce oui, que vous faites après. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Donc, voilà, donc c'était pour la soirée parce que je suis artiste visuel. Okay. Donc ces démarches-là, elle a pris son minute. Ah, c'était rapide, parce que ce sont des... Non, c'est des petits formats, c'est rapide. J'ai des toiles, nous allons peut-être faire l'expo, hein, professeur. J'ai des toiles que j'ai mis 10 ans à travailler. C'est des vieux fonds, et que j'ai travaillé dessus. Par contre, j'en ai d'autres. J'ai ma technique, j'applique les couches, mais le résultat, c'est un palimpseste, mais c'était assez rapide, je fais ça dans ma cuisine. Non, c'est un fragment. Oui, c'est un fragment. Mais qu'est-ce qu'on connaît déjà? Oui. Et ça, c'est un vers. Silence et les gestes, ils traversent le matin, vos chemins se vident. Hein, parce que Pat n'est pas là. Hein. C'est ça. Vos chemins se vident. Mais... en même temps, c'est avant de venir, juste un petit mot personnel, avant de venir, Patrick m'a dit, mais tu vas briller ce soir. Je lui ai dit, moi, je ne peux plus. Je lui ai dit, tu vas briller en moi. Ah, mais tu vas être un phare alors. Et je tiens à souligner, dans le recueil Fausta, il y a un leitmotiv. Leitmotiv, c'est un thème qui vient, qui revient, qui vient encore. On tire ça, n'est-ce pas, des opéras de Richard Wagner. Et Marty Herriot et moi, on a beaucoup discuté de Wagner en préparation pour la soirée. Eh bien, le leitmotiv, un des leitmotifs de Fausta, c'est la forge. C'est se creuser. Qu'est-ce que c'est? Ça se trouve au fond de chacun de nous. C'est le tréfonds de soi-même. Et c'est là où puise Marty Herriot tous ses poèmes, dans son creuset, dans sa forge, dans son fort intérieur, de son vécu, et de son savoir, parce que les deux vont de pair. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en synergie. Et je vous invite donc à acheter et faire dédicacer Fausta qui est là disponible. Et puis les dessins sont à $25 chacun. Et donc, comme commissaire, je ne suis pas d'accord avec ces prix. Donc, vous pouvez emporter pour $25, sauf celui-là qui appartient au professeur Cornet. Celui qui est l'homme et la femme. Ah, mais c'est celui-là. C'est celui-là. Il appartient. C'est celui-là que je voulais. Ah, vous allez mettre aux enchères. Je vais vous voir. Alors, encore une fois, on vous remercie d'être venu. Le livre est là. C'est vraiment un voyage spirituel, pour ne pas dire un pèlerinage, qu'on vit à travers les poèmes de Marty Herriot dans Fausta. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 14 janvier, encore, au Port de Tête, sur la rue Montréal.
On fait l'acte 2. L'acte 2 de Fausta oui. À suivre. Mais vous pourriez vous préparer pour acte 2 en vous procurant le recueil qui est ici, là. Et elle se fera un plaisir de... On peut lire les poèmes. Et oui, oui, exactement. Elle fera des dédicaces. Non, mais c'est là, je le laisse parce que il est mieux que moi. Pour... Et on tient à remercier la Maison des Écrivains qui nous accueille si bien. Oui. Alors, bonne soirée. Merci. Obrigada. Obrigada, meu amigo que está no fundo da sala. Muito obrigada, Franklin. Feliz que o Brasil esteja aqui comigo. Boa noite.